Olivier Thépot, expert scientifique et technique à Haute-Paris. Le point de départ du projet, c'est le vieillissement de nos canalisations. On attend en fait de pouvoir prolonger un peu l'âge de nos conduites. Et par conséquent, on est à la recherche d'un procédé de réhabilitation donc des canalisations qui permettent de traiter les joints, donc d'assurer l'étanchéité de ces canalisations tout en gardant les fûts. Alors, il existe des solutions traditionnelles qui consistent à réparer ces joints, voilà, de l'extérieur. Mais on est à la recherche d'une solution qui permettrait de traiter ces problèmes d'étanchéité, mais de manière globale. La technique, en l'occurrence, c'est de la projection de résine. C'est un robot qui est tracté à l'intérieur de la canalisation et qui projette une résine. C'est un tube dans le tube, si je puis dire. C'est une conduite dans la conduite. Cette technique est plutôt utilisée pour traiter la surface. En fait, c'est une sorte de peinture que l'on fait. Nous, on va l'utiliser de manière différente. On va l'utiliser pour ponter les joints, c'est-à-dire pour assurer l'étanchéité de la canalisation. Donc, c'est une utilisation un peu différente. C'est ça qui est innovant, d'ailleurs.